Mais effectivement, c'est une question qui nous vient poser. Mais Ban Créole, hein, Ban Créole cité là, monsieur le Premier ministre, mais pour qui est-ce? Aujourd'hui, nous, vendredi 13 mai 2022, à nous guetter un petit coup. Hein, d'emblée, mon fils, je te connais, qui c'est pas de gaieté de cœur qui m'ont senti le besoin de faire sa vidéo là. C'est un peu par la force des choses. Qui fait, hein? C'est parce qu'il y a 2 jours, on trouve le Premier ministre à la télévision qui inaugure un gymnase vraiment très bien fait, très bien équipé, avec des équipements modernes et à pour lui, moi, quoi. À un certain moment, ça me dit, il est belle, mais quoi, il y a pour lui, et qui est destiné à un fonctionnaire. Ah, eh bien, moi, moi, bien, bien content qu'il ben fonctionnaire, il gagne un gymnase et plus d'utilisation. Et ben, moi, enchanté, parce qu'il y a un peu autant que ma première ministre a fini de dire que la santé publique lui tient à cœur et la population, et après à 40 à 60%, dont la santé est fortement compromise, et les bons qui nous fait l'exercice, et un corps sain dans un esprit sain, donc forcément la fonction publique a quand même besoin un peu d'esprit sain pour faire l'y tourner. Il faut quand même reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors donc, nous n'arrivons à ça. Donc, dans un diatribe de presque 20 minutes, le Premier ministre fin brosse un tableau de l'importance des activités physiques, etc., etc. Toujours entouré des larbins qui est toujours pas derrière. Hein? Alors donc, pour la fonction publique, c'est OK. Mais lorsqu'il nous analyse en profondeur, de temps nous mettre un petit peu tout dans sa puzzle là, nous trouvons qui est le Premier ministre particulièrement, le gouvernement dans son ensemble, tout ce qu'ils ont fait, c'est diriger vers la communauté dite majoritaire du pays, la communauté hindoue. Lorsqu'on ajoute les musulmans, ça fait vraiment beaucoup. Alors, qui fait me dire ça, c'est parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas une histoire communaliste, raciste, si pas qu'était. C'est tout simplement que la fonction publique et a en son sein quelques 98% de la fonction publique et se trouve être de la communauté hindoue et musulmane, alors que 2% se trouvent être de la communauté créole. Ce n'est pas moi qui n'invente ça, c'est Affirmative Action. Du père Monjean Evéder, qui amène ça dans la cour contre la discrimination raciale de l'ONU. Donc, à 98%. Donc, si on comprend bien, sa gymnase-là est dédiée à une grosse majorité d'hindous et de musulmans qui pour utiliser pour qu'ils soient en bonne santé. Mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, à partir de là, lorsqu'il nous pousse la réflexion, nous trouvons qu'en dehors de ça, les fonctionnaires, pratiquement toutes les actions du gouvernement, des gouvernements qui se sont succédés, dirigées vers ces deux communautés précises. Nous avons un fonctionnaire qui a un paquet de facilités, qui les a pas gagné, et je suis dans une vacation paid, vacation leave, du capable prendre avion à l'audio, je suis dans le bénéfice de duty free, toutes ces histoires-là, mais je suis dans une loan, facilité de loan qui se gagnait, puisque je suis un fonctionnaire à travers la banque d'État, les structures bancaires que l'État a mises en place. Même les banques en dehors des banques d'État et de nous autres, une facilité parce qu'ils sont fonctionnaires avec des salaires garantis. Et même dans certaines banques, il paraît qu'ils étaient la loan sans aucune garantie personnelle, alors que le commun des mortels est obligé de donner une garantie, sinon pas gagner cette loan. De Gaiman PRB, pratiquement tous les 3 ans, 4 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas tous les ans, donc régulièrement le PRB qui vient ajuster les autres salaires et mettre autres. Et donc, qui fait mon plaisir, ça, c'est parce que les bénéficiaires de ça, c'est à 98%, selon Affirmative Action, la communauté hindoue et musulmane qui
majoritairement dans la fonction publique. Donc, je gagne une facilité là. Je gagne aussi un duty free call en fonction de statut dans la fonction publique. Je gagne un duty free call. Chacun à ce niveau. Hein? Chose que les autres n'ont pas. Donc, ils sont bien gâtés. Et lorsqu'ils nous guettent sa gymnase qui fait que faire là, nous trouvons aussi qu'il y a une université spécialement dédiée à la fonction publique. Donc, dont va bénéficier les 98% de la population. Autrement dit, les hindous, les musulmans, les fonctionnaires à 2%, on peut compter sur les doigts. Donc, je gagne aussi et ben, le privilège d'être choisi pour être fonctionnaire. Ouais, nous pas trop connaît comment ça marche, mais lorsqu'ils nous guettent dans le gros du résultat, et les Français qui a fait Mathieu Action dire, 98% ils rentrent dans la fonction publique, c'est-à-dire les hindous, les musulmans, et alors que les autres en bavent. Donc, tu as une facilité là. L'État nous guette en dio au secteur public, nous trouver qui, ben, tu plantais, il nous révine l'eau là, tout le monde connaît. Nous avons une organisation socio-culturelle qui est faire de lance de tous les gouvernements. Si je gagne une subvention, je gagne tout ça là. Donc, ce qui nous trouvait, nous trouve un gouvernement qui se sont succédés et les premiers ministres, particulièrement celui-là, et les actions sont dirigées vers ces populations-là. Et qui mettent en retrait de façon logique et une autre partie de la population qui n'y pas bénéficier ça. Et qu'est-ce qui reste comme partie de la population? C'est la communauté créole. Hein? Et on trouvera 50 000 explications. Ah, je ne peux pas apprendre l'école, je ne peux pas gagner un diplôme, je ne peux pas l'université, et donc je ne peux pas gagner place, donc je ne peux pas bénéficier. Donc c'est le cercle vicieux. Hein? Alors, ce qui nous trouvait aussi, en dehors de tout ça, de la fonction publique proper, nous trouvons qui m'a été Mauritius Télécom, qui ne fait son 1 millionième abonné, et lui aussi, lui lance lui pour soutenir les actions du gouvernement, pratiquement dans ce sens-là, et qui installe une infrastructure dans les endroits à faute densité hindoue et musulmane. Alors, nous sommes un petit coup. Alors, nous un petit peu partout. Nous trouvons à Tayac, nous trouvons à Triolé, notre bien mal nom là, nous trouvons la source, hein, là même côté Sudan, Tivindier, Palétrou, Saban, qui faut faire prostitution là, nous trouvons Goodlands, nous trouvons Phoenix, nous trouvons ça peut pousser un peu partout. Mighty Mauritius Telecom met en place des Muga Centers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Muga, c'est une abréviation de je ne sais pas trop qui. C'est une installation d'infrastructures sportives à multipurpose, à plusieurs usages. Hein? Alors, qui nous trouvait dans sa bonne infrastructure-là, nous trouve un cross-training, multipurpose cross-training gym. Hein? Nous trouvons un gymnase en plein air, justement, hein? Qui là-bas où on a un vélo capable de faire une planche d'abdos, ou un pec deck, ou un zumba, yoga, tai chi, nous avons un jardin d'enfants, nous avons un boulodrome, nous avons une place pour senior citizens. Nous avons même un espace de santé, côté un défibrillateur et semi-automatique. Attention qu'il y a un petit problème de santé sur place. Et tout ça dans un endroit majestueux et monté par Mauritius Télécom, du moins en collaboration avec, et il se place dans pratiquement toutes ces régions qui m'ont dit là. Alors, Tayac, Triolé, La Source, Goodlands, Phoenix, ce sont les endroits à forte densité hindoue, Phoenix à musulman, et ce sont les bénéficiaires de ça. Après ce qui nous vient passer, il y a 2-3 semaines de cela, quand le pays, une folle, une catastrophe avec les gens qui s'est émettre, hein, une espèce d'émette qui s'est déclarée là, et qui nous trouvait qu'il s'est émettre, que ce soit en 99, que ce soit en 68, en 99, hein, et là 2022, et une sortie
Et selon le Premier ministre, selon le gouvernement, selon la MBC, et selon aussi l'Église catholique, hein, et le Conseil des religions, qui finissent sortis dans un endroit des cités. Hein. Nous ne trouvons qu'en Louvain, nous ne trouvons Barclay, nous ne trouvons Kepip, Magalcan, nous ne trouvons Trou-de-Douce, nous ne trouvons dans ce même endroit-là. Ah ben, la question qui se pose, si les jeunes de la communauté hindoue et musulmane sont gâtés, hein, parce qu'ils ont des infrastructures qui permettent et de s'adonner à des activités saines, qui éventuellement, et selon la conviction publique, et qui sa man infrastructure là en pèse autant dans un fléau, et comme on sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices, ah ben, nous posons-nous la question, hein? Est-ce qu'il y a un gym dans Ban Cité? En nous guettant le vieux, quand il y en a émeute également, Barclay, ou, par contre, il y en a Malherbe, Atli, il y en a Cité-Tôle, il y en a dans Fonds-Rosebois, il y en a Thyrodrigue, il y en a dans la Rivière-Noire. Là, pose à faute densité créole, est-ce qu'il y en a un gymnase aussi sophistiqué qu'il met en place pour les fonctionnaires majoritairement hindous et musulmans, et par le gouvernement. Si Pena, qui fait à Pena? Est-ce qu'il y a un centre de Mouga dans Cité Briqueterie, dans Barclay, et dans Corlevieux, dans Rosebois, bon, pas qu'on n'est pas à Pena, bon, pas trouve ça l'eau la lisse. Et est-ce qu'il y en a à Malherbe, à la Brasserie, à Atli, à NSDC? Est-ce qu'il y en a? Et quand nous connaissons, selon ce que la police avait déclaré, que les émeutes sont sorties des cités ouvrières, est-ce qu'il nous peut y avoir une relation de cause à effet? Est-ce qu'il n'est pas logique et prioritaire que les jeunes des banlieues, des cités ouvrières, à 90% créoles, selon le père Patrick Fabien, majoritairement créoles selon Jocelyn Grégoire, est-ce que ce ne sont pas ces régions qui ont besoin de plus d'infrastructures ou sinon autant d'infrastructures, sinon les mêmes infrastructures que les enfants de la communauté hindoue, hindoue et musulmane, de Taïak, de Triolet, de Lassouz, de Goodlands et de Phoenix en bénéficient. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de gagner même infrastructure? Qui fait qu'ils ne sont pas capables de gagner même infrastructure? Qui fait tout ce développement-là peut faire dans ce qu'on appelle le Hindu Belt? Et le Premier ministre semble être fier de ses réalisations. Right? Et malheureusement, ban créole qui dans cité, et à 90%, ban habitant cité, 90% créole, selon le PF Patrick Fabien, right? Ah ben, je peine à noyer. Mais comment voulez-vous puisqu'il n'y a aucune considération, la plus petite, bon, nous avons un petit terrain basket, on trouve ça d'abord, je veux les boules, tout là, right? On trouve ça là, Atli. Une dans un état délabré, nous trouver un terrain football dans Malherbe, dans Atli également. Right? Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable d'imaginer, je me présume que le Premier ministre là n'est pas capable pas fin comprendre ça, d'autant plus qu'il y a un député Premier ministre qui est élu dans Kepip, par exemple, que Kepip, c'est un endroit où la pluie pisse à longueur de l'année. Et là, dans Kepip, c'est l'endroit qui peina aucune infrastructure de ce type-là. Chez nous, on a un gymnase qui est couvert, lui trouve l'eau trop serre. Hein? Et imagine une seconde, un quelqu'un qui sortit Atli, qui sortit la brasserie, qui sortit, je ne sais pas qui côté autour du qui est de la périphérie, et n'a pas jusqu'à gymnase Betty David,
l'autre au CERF pour s'adonner à une activité quelconque. Et moi, pour un tout, hein, ben Mauricien, de toutes les communautés, à ce qui ben a fini construire Mouga dans Phoenix. Où il y a une belle piscine, majestueusement fait, hein, avec six couloirs, offert par Emirates, il paraît, au taux de 250 millions. Et nous avons aussi dans la cour de cette piscine-là un centre de Mouga, vide, pratiquement vide tout le temps. Hein. Et nous avons, à côté du Gymkhana à Phoenix, un Foot Five. Ah, il y a aussi le Foot Five, hein, qui prend de l'ampleur et qui, bana, est encadré du fil métallique couvert par là-haut, du monde capable. Et à côté du Gymkhana, l'État nous guette les résidences qui sont autour, ah ben, peinant non d'une cité. Alors, le gouvernement peut prendre l'argent public pour aller fortifier des infrastructures dans la Hindu Belt, mais délaisse totalement, on peut dire délaisse, je suis gentil, ignore totalement les cités ouvrières. Pourquoi? Qui fait Nuna ça? Est-ce que c'est pas fait de façon peu impossible, exprès? Est-ce qu'il y a une politique d'ailleurs dans tout et pour tout? L'État nous guette la contradiction de l'histoire. Bonne cité, à 90% créole, right? Qui il y en a peut-être 1% là-dedans qui ne fait des ordres il y a 2 3 semaines, right? Zone fin sorti, au final l'olari brille la ricard au-dessous affronte la police, l'État fin gain de cause, parce que quelques jours après, le gouvernement fin baisse ban prix dans certains articles, right? Dont bénéficie la Hindu Belt et le pays en général. Ah ben, pour faire émettre, pour que je tout bénéficie, bien bon. Mais, pour qu'ils se bénéficient, eux aussi, des mêmes choses qu'il y en a dans la Hindu Belt et ailleurs, right? Ça n'a là non. Right? Je tout reste dans ce coin, tous les bons enfants, puis une chic bon job, bourgeois, right? Puis gain distraction, puis gain une place pour défouler eux, alors que dans les cités, je peux jouer football, foot five, avec des savates dans le coin Larry. Et si je tenais une infrastructure sportive, peina même un entraîneur pour guider. Peina un motivateur. Peina me faire foot. Mais comment vous voulez ces enfants-là, grandis, ces jeunes-là, pas sentis discriminés et qui finalement sortis avec une certaine violence. Comment vous voulez? Ouais. Donc, nous pial vers le tout hindou, et dirigé par le Premier ministre. Alors, nous pouvons trouver que tout un projet de réinfrastructure, etc., peut faire dans une région qui nous fait exciter là. Ouais. Tout ce qui peut faire Manhattan, peut faire Las Vegas, peut faire, si pas qui couillonnade encore. Ouais. Tout cela peut faire pas là-bas. La question est que va devenir toute cette jeunesse de la communauté créole à 90% dans les cités. Qui peut arriver? Alors la communauté créole, bien assisée, réfléchie, qui toute une ressource gouvernementale. Donc, à la Mouga, Mauritius Telecom a 1 million sur 1 millionième client. Est-ce qu'il y a une créole dans la cité-là? Pas acheter Internet avec Orange, Mighty? Pena m'a été que zut la plupart. Pena Wi-Fi que zut. Zut pas contribué dans le succès de Mauritius Télécom. Hein? Mais comment se fait-il que Mauritius Télécom a les yeux braqués sur la Hindu Belt, hein? Et ne pense jamais à mettre quelque chose dans les endroits à forte densité créole? Si jamais il y en a une qui ne m'a pas au courant, ben je ne suis pas, c'est pas de ma faute, parce que sur le site de la Mouga, Internet, je peux trouver qu'il y en a Taïak, Triolet, La Source, Goodland, Phoenix.
Pantou quand le vieux, pantou Barclay, moi pantou Malher, moi pantou Vatli, moi pantou trouve la brasserie, moi pantou trouve la caverne va quoi, moi pantou trouver. Ben, je peux pas, et moi pas capable de dire, et c'est nas, parce qu'il n'est pas là. Hein? Maintenant, ce qui nous peut trouver, ceux qui sont les plus performants en football, en sport d'ailleurs, en football particulièrement, ce sont les enfants issus des cités de la communauté créole, en général. Nous connaissons ça depuis l'histoire du football, humoristique, comme ça. Je ne veux pas dire pas qu'il y a l'autre, il y a une doucadette, parce qu'il y a une scout, etc. Il y a un bon joueur, un entraîneur, un madélaï, tout ça, nous connaissons. Hein? Est-ce que la stratégie n'est pas de couper les moyens, les jambes de ces footballeurs qui auraient pu très bien faire? Pas seulement le football, dans toutes les disciplines, hein, de façon à favoriser un autre type de développement, par exemple le football, qui n'est pas le futsal. Le futsal, c'est le football dans un endroit fermé, et que je jouais à 5 ou à 6, et maintenant nous finissons une espèce de fédération de futsal sous la MFA. Nous connaissons qui fait MFA fin faire avec football. Avec une organisation fictive, un club fictif. Je viens prendre contrôle de la Fédération Football, là, et le football est ce qu'il est aujourd'hui. Nous trouvons que le futsal, maintenant, l'IP international, et qu'il y a des équipes qui se forment pour s'affronter en futsal. Ça ne veut pas dire que l'IPNA sont dans la cité. Je connais l'équipe Malais, je connais l'équipe par là, dans Rosille. Tout cela, nous connaissons. Hein? Mais l'État nous guette la sélection de futsal qui tient le Maroc avec, au milieu d'un scandale diplomatique énorme. Pas pour venir l'eau là. Hein? Abbé Moïn Vidjot, elle guette un petit coup, profil, Banzouet Football, le nouveau footballeur. Hein? Parce qu'ils ont gagné accès à futsal. Ils ont gagné accès à Mouga. Ils ont gagné accès à une infrastructure que le gouvernement met en place dans la Île-de-Belle. Avec pour résultat, hein? Le profil a radicalement changé. Est-ce qu'il nous papait al vers un genre d'épuration ethnique déguisée subtilement, hein, au détriment des enfants créoles de ce pays? Est-ce que personne ne trouve ça? Il est-il moi le demande Stéphane Toussaint? S'il ne trouve ça, il ne trouve pas ça. Hein? Il n'est même pas capable de dire oui, il ne trouve pas, non, il ne trouve pas. Il y a une bouteille d'orangina, mais ça couille la tête en dehors de ça et qu'a oublié. Hein? Mais que font les députés élus à l'Assemblée par le best loser système qui sont supposés représenter la population générale à majorité créole et créolicité? Est-ce que je peux pas non rien là-dedans? Je peux pas aucune analyse, je peux pas aucune opinion. Je trouve ça et il y a un laisser-faire. Hein? Que fait Grégoire? Hein? Que fait les députés élus sous les ailes de Tour, de Mayotte? Est-ce qu'il Mayotte comme ça? Hein? Pas connu. Hein? Est-ce qu'il Babli, il se masturbe sur Manhattan et tellement absorbé par son fantasme qu'il n'y pas trouvé, qu'il même à la caverne, peina. Qui nous peut faire? Comment ça va finir tout ça? Est-ce que nous papés là et prépare un cocktail communaliste, raciste, hein, qui pour finir par nous exploser à la gueule? Et comment on peut faire tout ça là? On peut réfléchir l'eau là, on trouve tout ça là, on dit mal moi, et moi pas qu'à empêcher moi rappelle Monseigneur Piat, cardinal. Alors, Monseigneur Piat, c'est ça qu'on peut appeler le pont? Ça même un pont qui peut faire là, ça, pour l'unité nationale, l'arc-en-ciel mauricien, right? Arc-en-ciel mauricien, où il y a Taillac, Triolet, La Sauce, Goodlands, Phoenix, mais si t'es pas dans l'arc-en-ciel, qui peut arriver, ça, des enfants, là? Je peine à place dans les meilleures écoles, 50% place, une propre banne, là. Right? Ce pénal nonné, tout ni. Mais comment vous voulez, quand on a un problème pour lever d'un pays, il n'est pas pour sauter là-bas?
Est-ce qu'on peut dormir tranquille en pensant que et ils ont les mêmes facilités partout? Comment on a pu donner priorité à Tayac, Triolet, Lassos, Boudès? On ne peut pas dire qu'ils ont des enfants dans la Indoubelle pas mérités. Tu viens de tout l'encité, donne-le tout. Non. Pourquoi est-ce que c'est pas fait à part égale? C'est la grande question. Nous sommes à 2 ans des élections, c'est moi 3 ans des élections. Man, créole, bizarre, assisé, réfléchi, qui peut arriver? Hein? Je ne trouvais qu'il arrive Mauritius Turf Club. Ça aussi, il dit dans sa stratégie-là, bal créole, je tellement naïf. Je pas foutu ouvert, je te lisais pour guette ce qu'il y en a d'ailleurs à sa bonne affaire-là, qu'on s'appelle mené. Plus tard, on avait une cause, cette espèce de l'immigration organisée là. Hein? Alors pour le moment, la communauté créole de ce pays-là, Cardinal Piat en premier avec Soban Pont, parce que si Patrick Fabien Fine trouve 90% créole dans la cité catholique, hein? Nous avons un Père Grégoire pareil, nous avons les autres prêtres qui montaient, Jean-Claude Védère et compagnie, pareil, mais je suis au courant qu'il y a un problème là. Hein? Les types bon qui, et nous, je t'exprime, je te l'eau là, qui fait à sa discrimination flagrante. Est-ce qu'il nous parle vers un Hindu state? Nous, quand on dit Hindu state, asiatique, c'est Hindu musulman, bien organisé à l'intérieur de l'infrastructure gouvernementale, et que les créoles sont complètement en dehors de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Je t'en viens d'exemple. Je t'en veux que ça bien, guide dans la télévision, à chaque fois qu'il y a une personnalité étrangère, un ministre, un président d'un pays africain ou je ne sais pas où, hein, mais guettez surtout un seul créole là-dedans. Tout vini, tika, ça rit, et là, vous pouvez imaginer, ça va dedans, et pas trouvé. Pour quelle raison? Pour quelle raison dans tout séminaire qui passait dans la télévision, dans toute conférence, mais peinard, peinard là-dedans. Qui peut arriver de ce pays-là, monsieur Pravin Jagnat? Moi, je ne suis pas étonné qu'ils font partie de leur stratégie. Nous avons l'occasion de venir là, sa stratégie qu'il a depuis Anirudh Jagnat, même avant, hein, jusqu'à maintenant que le Fifis est en train de prendre le relais. Qu'est-ce que ça peut amener nous? Vous présumez que la communauté créole a sa place. La communauté créole veut dire la communauté créole type africain et les métis et de cette communauté-là. Hein? Qui va venir? Qui peut faire? Est-ce qu'on est en train de faire une épuration ethnique quand, à la manière de Modi et en Inde dans certaines régions? Est-ce qu'il nous peut vers là? Est-ce qu'il nous peut créer un couillonnade qui pour mettre en péril l'unité nationale? Et de ce pays-là. Et là encore, Pécois, qui a le mauritianisme. Quand mauritianisme l'a trouvé dans sa bande d'histoire-là? Qui c'est là qui peut faire le mauritianisme dans les plantations des infrastructures? Est-ce qu'il nous faisait dire qu'il y a une créole-là, zut la santé? Hein? Pas important comment ban fonctionnaire? Puisque je ne pas travailler dans la fonction publique, je travaille ailleurs. Je te la santé pas. Les activités physiques pour les enfants habitants Rosbois, Camp le Vieux, Malherbe, Atli, et Tirodrigue, et Briqueterie, Sainte-Croix. Mais ça, mes enfants-là, je te la santé pas compter. Je suis capable de rêver. Est-ce que c'est ça, monsieur le Premier ministre? À nous guetter un petit coup, comment ça pour décanter avec sûrement pour un budget, peut-être qu'ils se prennent une situation, nous pas connaît. À nous guetter aussi, qui ça va un député créole là, et je pense, je pas penser à faire foot, parce que je peine une faculté de penser. Hein? À nous guetter un coup, si les autres députés des autres communautés, tiens, Chakil Mohamed, la grande gueule, hein? Et comment appeler le tout à l'heure, Osman Mohamed, au moins que ça m'a pas causé dans la circonscription Rosebois, un parti créole qui vous dit là-bas, mais qui ne fait pas gagner. Alors, nous attendons Chakil Mohamed monter, nous attendons l'Alliance l'Espoir, Rossi Bader, nous avons un petit coup, si pas si c'était 5 ans, Kennedy, et Namouga, et Najim, et Natsuman Kouyonadla.
Je vais vous demander de faire des commentaires décents, mon chagrin, motrice qui nous a pris 29-30 minutes pour sa vidéo-là. Et donc des commentaires décents, respectueux. Et partagez la vidéo pour que toute la communauté créole, et les restes créoles particulièrement, gagnent libre pour vous assiser, faire un acte de réflexion. Vous n'avez pas pu trouver qui peut arriver, vous n'avez pas des enfants. Vous n'avez pas trouvé ça? Et les bêtes qui trouvent ça, les tucelles? Ouais. Moi qui raciste, moi communaliste, alors ce qu'ils nous trouvaient, la Taillac, Triolet, la Chose, Goudelaine, Phoenix, permettent une belle, belle infrastructure qui fait un accueil pip, une infrastructure couverte et correctement comment il y a à Phoenix et sur piscine et tout. Que fou Steven Obigadou! Peut-être qu'il ne pourrait gagner du Paul Midlands à cause de Michel Danou. Peut-être là, il y a à peu près, là, mes enfants vont naser depuis la brasserie jusqu'à Midlands pour faire aller. Mais qui fait je pense comme ça? Pour quelle raison je peux dessiner une stratégie vers le tout hindou et nous pas cause MBC? Ils font partie de sa manière infrastructure. Nous parlons vers le tout hindou, musulman, et non, il n'y en a pas pour sa communauté là. Comment vous voulez ça pas exploser? Partagez la vidéo et pour que le plus grand nombre puisse la voir et pouvoir réfléchir. Et ça aussi, je te paraisse, hein, surtout la communauté créole. Là, nous finissons faire un point pour la communauté créole. Mais il y a au moins les graines nécessaires pour partager la vidéo pour que ou tout bonne famille, ou bonne cousin, ou bonne soeur, capable d'assiser, réfléchir. Nous, pas pour tout, pas pour tout, bam, bam, prenez en vitre, tiens, décembre, 365 jours à l'année. C'est pour cette raison-là qu'il va prendre l'eau là, pour pas faire un fait à foutre. Partagez la vidéo. Bonne fin d'après-midi à tout le monde.